là il est sorti, il va rentrer à peu près dans 5-10 minutes. Regarde, attends, c'est pas lui là avec les courses? Le prank est raté, je suis sûr que c'est lui, franchement. La team, comme vous le savez, en ce moment c'est la reprise du foot, c'est la période de l'année où tu découvres ta nouvelle équipe, tes nouveaux coéquipiers et surtout tes nouveaux équipements. Et perso, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé de recevoir le starter pack des joueurs pro. Crampons haut de gamme pour tous les terrains, baskets, chaussettes, protège-tibia, maillots, survêtements, enfin bref, avoir tout le matériel possible et imaginable pour entamer ma meilleure saison. Et ben ce rêve-là, on va pouvoir le faire vivre à l'un d'entre vous grâce à FootFR, qui à l'occasion de l'ouverture de leur tout nouveau magasin à Avignon, m'ont invité pour récupérer environ 1000 euros de cadeaux. Donc vraiment un énorme merci à FootFR pour cette opportunité de folie. Du coup, comment j'ai organisé la surprise? Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur mon compte Insta de remplir un formulaire pour participer entre guillemets à un événement avec moi, bien entendu sans vous dire exactement ce que c'était, pour garder l'effet de surprise. Et vraiment, je vous remercie parce que vous avez été vraiment très nombreux à participer. Malheureusement, j'ai pu sélectionner qu'un seul d'entre vous et l'abonné qui a été choisi, c'est Stanley. Il habite à Nice, il est latéral comme moi et il évoluait en 19 NAS l'année passée. Je vous montre de suite un petit extrait de sa vidéo. Alors salut Val, je me présente, je m'appelle Stanley Mendez, j'ai 19 ans et je suis originaire de Nice. Cette année je jouais au Sporting Club de Toulon, le groupe U19 national, mais bon, j'ai pas pu faire de match à cause du Covid. J'aimerais réussir dans le foot, du coup je me donne les moyens, je joue le même poste que toi et je m'inspire. J'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu proposes. Je te suis depuis que tu es à Limoges, je crois que ça fait 2 ans maintenant. J'espère être sélectionné et peut-être qu'on va se voir. Allez, à plus. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un excellent candidat pour recevoir ce cadeau. Il est motivé, ambitieux et en plus de ça, il suit depuis le tout début la chaîne. Donc que dire de plus si ce n'est qu'il a toutes les qualités requises. Et du coup, j'ai pris contact avec sa sœur Mélanie, avec laquelle j'ai organisé le stratagème pour la surprise. L'objectif, s'infiltrer chez lui quand il n'est pas là, se cacher et attendre son retour pour lui faire cette incroyable surprise. Bref, j'espère vraiment que tout va se passer comme prévu et que ce diable de plan va fonctionner. Je suis vraiment impatient de voir sa réaction, je pense que ça va être incroyable. Donc sans plus tarder, je vais récupérer les produits chez nos frérots de FootFR et ensuite go chez Stanley. Comment ça va, frérot? Ce diable de Théo, ce diable de Antoine, les boss des lieux, c'est ça? Voilà. Donc les gars, c'est simple, c'est le plus gros mégastore de France et on a ouvert au Pontet. Il y avait le plan de campagne qu'on connaissait, le site internet que vous connaissez tous. Et maintenant, au Pontet, à Avignon, dans la zone nord, plus de 500 mètres carrés. C'est ouf. Incroyable. Et on en parle ou pas? Maintenant, j'ai 2 stars en face de moi. Ah. Des TikTokers très célèbres, on vous voit partout. Moi, j'en ai marre. J'ouvre mon téléphone, je vous vois. Nous, on est des gens très simples. Très simples. Humble. Humble avant tout. Est-ce qu'on met quand même un petit extrait d'un TikTok? Avec plaisir. On le fait dans 3, 2, 1. Neymar dans le prochain Fast and Furious 10. Non, ça va, tu abuses. Et c'est un acteur. Ouais, c'est un acteur sur le terrain, mais pas en dehors de la vie. Et il y a des joueurs qui ont déjà fait acteur. C'est vrai. T'aimes le football? T'aimes la culture? Bienvenue dans la football culture. Bon, on va commencer la sélection du coup. Par quoi on commence? Je ne comprendrais pas un sac. Tu vois, pas tape à l'œil, propre, efficace. La petite aération pour que quand ça sent mauvais à la fin de match, les crampons au moins, ils emboucanent pas le reste. Derrière, est-ce que tu as une idée qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Alors, déjà, on joue au foot. On joue au foot. Et pour jouer au foot, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un ballon. Il faut un ballon. Quelque chose de stylé avec le ballon. On va lui mettre 2 beaux ballons. Quelque chose de stylé avec le ballon. Quelque chose de stylé avec le ballon. Ouais, ah, faut que je fasse? Ouais. Non, tiens. Brille de mille feux. Franchement, il est très très beau. Tac. Hop, 2 ballons les gars, déjà. Voilà, c'est ballons. Validé. Maintenant, il est supporter d'une équipe. D'après vous, il supporte qui? C'est Nice, soit? Bah, Nice, ils peuvent supporter n'importe qui. Allez, vas-y, moi, c'est moi qui m'en vais. C'est moi qui m'en vais. Parle pas comme ça de Nice, hein, Christophe Galtier. Ça sent Londres ou Manchester. Chelsea? Eh ben, je vais vous surprendre. Tottenham, donc on va aller voir. Ça tombe très bien parce que les tenues des Spurs cette année, c'est une des plus belles tenues. Elles sont là? C'est sur le rayon Tottenham là. Toute la collection Tottenham. Magnifique, mais à croire, c'est fait exprès. Le maillot, je trouve que c'est dommage parce qu'il est un peu simple. C'est vrai. C'est beau, c'est classique, mais c'est un peu simple. Par contre, cette année, Théo, c'est l'été. Maillot training, short d'entraînement. La tenue complète d'entraînement. En fait, à chaque fois que je viens chez vous, vous êtes les Pères Noël. Les Pères Noël en question. Ça nous fait plaisir, mais on aime ça. Sans la boudaine. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Par quoi on peut enchaîner? C'est pour jouer au ballon. Des crampons. On va aller voir, il y a encore une muraille par ici. Une muraille de Chine. Après pour le choix, il est latéral. Rapide, il monte, il descend. Il a l'air. Il a besoin de vitesse. Donc, comme toi. Arrête de me choper là. Ça c'est le produit rapide, légèreté. Elle est belle hein, la nouvelle en plus. C'est la plus légère du marché celle-là. C'est une bombe.
Ouais. Bon. Franchement, la Ultra, très portée par les joueurs en ce moment, c'est la mode, vraiment la mode. On peut enchaîner avec Adidas, ici. Là, donc là, la Speed Tour. En fait, elles sont toutes. À chaque fois que tu arrives devant une nouvelle. Ça, c'est... En plus, c'est la semelle synthétique, ça pourrait être intéressant. Celle-là, c'est la synthétique. Qui c'est qui la porte, celle-là? Dis-moi. Il est où? Non, attends, tranquille, tranquille. Bah, et... tranquille. C'est le jour. Et oui, parce que c'est vrai qu'on précise, t'es un grand fan du Paris Saint-Germain, c'est ça, hein? On est d'accord. T'as failli tomber, t'as vu le karma qu'on a depuis ça? C'est vrai. Maintenant, on passe du côté des Américains. Dans ce cas-là, il y a la vapeur. Elle est vraiment belle. Il y a une colonne vertébrale, les gars, ici. Et on peut pas l'y craquer. Quelqu'un saurait me craquer le dos? Ouais, vas-y. Vas-y. Comme ça? Ouais, comme ça. De A. ACC, protection, s'il pleut, t'es bien, s'il neige, t'es bien, s'il y a la boue, t'es bien. En plus, vous avez déjà vu notre TikTok sur la neige? Je sais pas si vous en souvenez. Mais bien sûr. Bon, là, on peut le remettre. Il a fait un très joli dessin. Très très joli, on le met dans 3, 2, 1. Bon, c'était pas facile. Il y a eu gros débat, ouais. Mais on a fait notre choix. Je vais pas vous montrer tout de suite. C'est dans le sac, c'est dans la boîte, mais ouais. Vous découvrirez ça en même temps que Stanley. Quelle petite paire on lui a réservé et même, je dirais, quelle double paire on lui a réservé. Sûr, ouais. C'est un diable de V en même temps, hein. C'était calculé. Magnifique. Là, on va pas se mentir, on l'a déjà bien régalé. Ouais. Il a sa tenue d'été pour faire ses training et tout. Non, attends, pas que l'été dans l'année. C'est vrai qu'il n'y a pas de l'été. Il y a l'hiver et quand ça caille. Ça caille chez vous aussi là-bas, pas croire. Hein. Moi, je pense que ce nouveau survêt Nike, il est incroyable. Il est magnifique. Côté training, même pour la vie de tous les jours, il a un flow. Le flow, ouais. Là, c'est parfait. C'est tu lui rajoutes ça avec. Survêt, c'est validé. Ouais. Mais qu'est-ce qui manque en bas? Pour aller au ballon. Tu vas pas en crampon. Hein, c'est ça. Tu... Donc, je te propose de te retourner. Mais normalement, il est bien. En plus, on le sait très bien. Quand tu arrives le premier jour d'entraînement, la prépa, la reprise, le coach, il dit ne mettez pas les crampons, mettez les chaussures. C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop dur. Bon, on a parlé de froid, mais venez, on complète la tenue avec un petit cache-cou et des gants. Bon, la paire de gants, je te mets la Nike. Et après, bah, classique, le cache-cou. Celui-là, il est vraiment c'est terrible parce que... Celui-là, il s'accroche à tes oreilles. Ouais. Normalement, ce cache-cou, il n'y a que les pros. Tu vois personne en amateur qui a ça. Stanley, je suis à deux doigts d'être jaloux. C'est mon youtubeur, je suis jaloux. Tu as fini le ballon. Ouais. Tu rentres à la maison. Ouais. Ah oui, tu vas à la douche. Il faut quand même être hygiène. C'est vrai, ouais, c'est important. Les sandales. T'as du Nike, t'as du Adidas en bas, t'as l'Olympique de Marseille, très grand club. Ah oui, ils ont sur l'équipe 21 là, le championnat de pédanque. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je crois qu'on va annuler le tournage. Du coup, les claquettes, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, moi je vais celle-là. La shower? Ouais. Regarde la dérange en dessous. Ah, là, s'il glisse, il va pas se blesser dans la douche. Il peut pas faire les croisades. Il peut même s'entraîner avec. ACC ou pas? Non. Pas d'ACC. C'est quoi ACC? All Condition Control. Putain, vous bossez ici, non? Non. Ouais, non. Ah non? On ne bosse pas ici? Si. Ah, ok. Et avant de finir, il y a aussi un terrain ici. Bah oui, dans tous vos magasins. C'est la marque de fabrique de foot.fr. Vrai synthétique, c'est vrai, incroyable. C'est... Ça m'a toujours fait rêver. Parce que t'as envie, t'es dans le magasin. Bien sûr. Tu veux les porter, tes crampons. Et je propose un petit crossbar. Dernier qui la met, c'est une trompette. Tu veux perdre, en fait? Bah, vas-y, montre-leur. Allez, fais-nous une frappe choupie. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que c'est un seul rush. Hein. Bon, les gars, du coup, c'est moi qui filme. Attends. Ah, dommage. J'étais pas. When you try your best, but you don't succeed. Il veut trop mettre son gros nez à la caméra, mais tiens, une deuxième. Attends, mais ça veut dire quoi? Mais c'est pas grave. Je remets en jeu. Tu remets en jeu. Je remets en jeu. C'est vraiment con parce que du coup, tout à l'heure on a déconné, alors que là on est vachement. Voilà. Donc la trompette c'est qui? Trompette. Qui regrette? Ah oui, bah. Tu regrettes? J'ai. Bruh. Allez, on va continuer, y'a pas de trompette. Bon les frérots, ça y est, le sac est plein. Le sac est prêt. Bien rempli. Vous avez hâte de voir sa réaction là. Ah mais vraiment, on a pas que ça. J'espère que tu vas faire quelque chose de propre. Hein. Moi j'ai réfléchi une poudre, ça serait incroyable si tu fais ça. Que les complices puissent le faire sortir de chez lui. Moi je rentre pendant ce temps. Toi tu rentres pendant ce temps là, tu poses tout un peu comme Noël, genre Papa Noël. Mais sauf que tu attends sur le canapé avec un café à la main. Ça serait incroyable. Alors cette année, je t'attendais. Il va pas s'y attendre, ça serait incroyable. Ça va être incroyable. Frérot, en tout cas, encore merci. Vous avez régalé de ouf. T'es chez toi ici, ce magasin-là. C'est le nouveau magasin foot.fr, donc à Avignon. Et t'es chez toi, tu reviens quand tu veux. On se retrouve ici, vous venez nous voir quand vous voulez. Et la team, ils viennent quand ils veulent aussi. Voilà. Exactement. Et vous pouvez nous retrouver aussi en même temps sur tous nos réseaux sociaux. Mais ils sont déjà. Vous êtes des stars. Instagram, TikTok, il y en a quelques-uns qui l'ont pas. Comment on s'appelle? On s'appelle foot.fr. Foot.fr. Ça s'affiche juste ici. Fais un petit carré avec ta main. Hop. Là, j'ai fait que 3. 1, 2, 3, 4. C'est vrai, c'est vrai. Un carré triangle. Bon les frérots, nous on va laisser là, on se retrouve chez Stanley, on vous fait un diable de V. Bon ça y est la team, arrivé à Nice, arrivé même juste devant chez ce diable de Stanley. Là, on va mettre tout le processus en marche. Je vais appeler sa sœur qui est complice du piège bien entendu. Du piège.
De la surprise. Ouais, de la surprise, c'est vrai. Le bon mot. Qui était très étonné d'ailleurs, parce que quand je l'ai appelé la première fois pour lui dire, écoutez, on va amener 1 000 € de cadeaux à Stanley, je savais pas qui j'étais, elle me connaissait pas du tout, c'était assez cocasse, on va dire. Du coup, là, la sœur de Stanley, elle va lui demander d'aller faire des courses. Et pendant ce temps-là, nous, on va sortir toutes les affaires, on va se dépêcher de monter chez lui, tout organiser, se cacher, etc. En attendant son retour. Ça y est, on est en bas. J'attends ton feu vert. Est-ce qu'on monte tout de suite? Est-ce qu'il est déjà sorti ou... Non, il est sorti. Il va rentrer à peu près dans 5-10 minutes. 5-10 minutes. Alors là, clairement, c'est la merde. On a 5-10 minutes pour aller rencontrer sa sœur, monter à l'appart et installer toutes les caméras et les cadeaux. On risque même de ne pas avoir le temps de tout mettre en place. Ou pire, il y a moyen qu'on tombe nez à nez avec lui en le croisant dans la rue. J'ai mis une diable de casquette au cas où, si jamais on le croisait ou quoi. Regarde, attends, c'est pas lui là avec les courses? J'ai pas pris mon masque, non. Je pense que c'est lui, hein. Nous rebrossons chemin. Le proc est raté. Je suis sûr que c'est lui, franchement. Il a un petit sac dans la main. Bon, bonne nouvelle, c'était pas Stanley. Il y a sa sœur qui est juste là, on l'a trouvé. Heureusement, la team, c'était pas lui. Je viens de me prendre un énorme coup de pression. Vu qu'on a qu'un seul essai, je vous avoue que si on l'avait croisé, j'aurais eu trop le seum. Bon, maintenant, faut vraiment se dépêcher parce qu'il peut arriver d'une minute à l'autre. Salut, ça va? Voilà. Bonjour, vous allez bien? Arrivé là, oui. Ouais. Vous avez la chambre ici. Bonjour. Yeah. Je pense. Bah, je pense le salon. Hein. Bon, ça y est, tout est en place. On a mis les cadeaux sur la table juste ici. Et en plus, sur la télé, le petit générique de QDF. Je vais m'asseoir avec sa famille sur le canapé. Je pense que cette année-là. Il va bugger. Sa réaction, vous pensez que ça va être comment? Ça va être chaud. Ça va être chaud. Possible. Parce qu'il nous a même pas parlé de ça. Ah ouais, il a fait ça en cachette. Ouais, il a fait ça dans la salle de bain. Ah ouais. Je pense qu'il va être content. Vous pensez qu'il va être content? Très content. Déjà, il va rester. Il va rester là, parce que comme il aura Naïl avec lui. J'espère qu'il va pas lâcher mon petit-fils. Même moi, je suis stressé. C'est pas pour moi la surprise, mais je suis peut-être le plus stressé. Ouais. Parce que j'ai envie de voir la réaction, j'ai hâte. Oh là là. Ça va être génial. Ouais, oh mon dieu. Attends, on va lancer. C'est ok? Oui. Vous venez même ici peut-être dans la caméra. Ça va? Tranquille. Il a pas l'air étonné. C'est pas normal en fait. Non, même pas, mais je suis choqué. Ça va? Ça va, super. Et toi? J'ai vu ta petite vidéo, du coup, que tu m'as envoyé il y a pas très longtemps. Tes parents étaient au courant, ta soeur aussi. Tu mets deux numéros de téléphone et tu mets les deux mêmes. J'ai pas réfléchi. J'ai dû taper ton nom sur Facebook. J'ai trouvé ta sœur, j'ai dit est-ce que vous aimez bien la sœur de machin. Et après on est arrivé, les parents, tout le monde. Bon, il y a 2-3 petits trucs, je sais pas si... Si tu peux constater ça. C'est donc ça alors, tu penses que tout ça c'est pour toi? Ah ça c'est pour moi, j'ai tiré le gros rôle. Bon, pour commencer. Ah c'est pour ça que tu m'as dit mon club préféré, tout ça. Mais attends, au début j'étais pas content. Elle me dit Real Madrid. Mais avant, ouais. Avant t'étais pour le Real. Si ça avait été Real Madrid, je serais pas venu. Hein. Donc voilà, petit ballon Ligue des Champions, petite tenue avec le short qui est juste derrière aussi. Après pour l'hiver, petit survêt, full Nike. Il y a le jog avec, cache-cou gants. Ils la voulaient comme ça. Ouais, ils ont trop de flow, laisse tomber, c'est les plus stylés. Petit sac, sobre, efficace, Nike, au moins tu pourras tout mettre à l'intérieur, etc. Ouais. Et les crampons, c'était le plus compliqué. Alors, il y a pas que des crampons, tu vas voir. Tu préfères quoi déjà? Imagine, t'avais le choix de tous les crampons. Ta marque préférée? Mercurial. Ouais. Nike, du coup. T'aimes bien les Nike Phantom quand même? Ouais, j'aime bien ça. C'est dommage parce que tu vois, en fait, c'est des Mercurial. Ah, j'ai mis en plus. J'ai en noir. Ah, tu es en noir?
Du coup, petite Mercu pour synthé là. Là, je te laisse les découvrir. Ah là là, gâté hein. Elle pour pelouse. Ça a été préféré, je pense. T'as une idée ce que c'est? Claquette. Ouais, claquette. Pour la douche ou claquette chaussette, hein, au choix. Et pour finir, qui va bien sûr avec le survêt. Parfait. Petit air zoom, pack complet 43 aussi. Normalement, tu vas être bien. Merci beaucoup. Voilà. Donc, bah, écoute, frérot, j'espère que t'es content. C'est content. Tout pour la saison, là, ce que je disais. Ah, par contre, tu reviens ici plus tout long, c'est fini? Non, c'est bon, ça y est. Et là, grâce avec les U20, ils m'ont dit, elle m'a dit ta mère. Les U20, après, je vais voir. Ils sont en quoi, les U20? Ils sont en U20F, c'est. U20 le plus haut, le niveau régional, c'est ça? Ok. Bon, après, t'as la N2 potentiellement plus tard. Là, t'as plus d'excuses au moins. Là, j'ai tout pour réussir. De rien, frérot, ça fait plaisir. Par contre, je dois quand même dire quelque chose. Ta sœur, elle a vu ta vidéo et elle s'est foutue de toi. Après, je dis ça, je dis rien. Elle a dit depuis quand il est sérieux comme ça? Alors ça c'est pas une de mes vidéos. Bah écoute, si tu veux ce que je te propose, selon ton emploi du temps que t'avais prévu, peut-être on peut aller vite fait sur le terrain. Essayer ça rapidement, je sais pas s'il y a un terrain à côté. Oui, il y a quelqu'un. Si t'es chaud, on y va vite fait, on touche un petit peu le ballon. Et au moins tu testes tout ça. Je pense que le survêt t'en aura pas besoin, mais la tenue peut-être. Bon, ciao, merci. Hein. Merci beaucoup, merci à vous. Allez, ciao. Je vais jamais penser que c'était ça. Non, c'est déjà. En plus, mon père, il me dit, vas-y, rentre vite, ta mère, elle va sortir. Tu te dis, ils sont bizarres. jamais, il m'appelle quand je suis dehors et tout, il me dit, rentre vite. Vous avez visité là depuis longtemps? Mais même pas, en fait, mais déjà, ta soeur, elle nous a mis une pression. 10 minutes. Ouais, en gros. On dit, revient dans 5 minutes. Donc nous, on a couru et tout. On a couru avec les appareils, tout ce que j'ai fait, j'ai mis une casquette et tout. Parce que je me suis dit, imagine, on se croise. Et là, tu te dis, mal. Du coup, tes parents, ils nous ont un peu dit, mais t'as fait quoi, Cavigal? Premier, j'ai fait un club qui s'appelait Lissonac. Du Sonac, ouais. Après j'ai fait Cavigal, après je suis retourné à l'Isonac, après je suis allé à l'Icecam pendant 5 ans ou 6 ans. Ah c'est propre, jusqu'en 17. Ouais à peu près. Après je suis allé au Cavigal. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, genre le Cavigal c'est un peu, à part l'OGC Nice, c'est un peu le plus grand club de Nice, on va dire d'ici. Quand on était jeune à Nice, quand on jouait le Cavigal c'était la guerre, ouais. C'était les gros matchs. Et je suis parti à Toulon. Pour les 19 nationaux. Et ouais, l'année du Covid, t'es parti. Ouais. Et au début, ça se passait bien jusqu'à octobre, jusqu'à quand il a eu le troisième confinement. Et après, du coup, j'ai pas pu faire de match là-bas. C'est dommage, Toulon, c'est un gros club. Ouais. En plus, ça va. Et la poule 19 nas, elle est incroyable, la poule sud avec tout le monde, Nice, Monaco, Marseille. En plus, les derniers matchs avant le confinement, c'était Cannes. Ah ouais, tu devais trop vouloir les jouer là. Normal. Après, c'est pas grave, on a continué à travailler. Ouais, ouais. Bah, si t'es à Grasse, franchement, c'est bien, c'est un bon club. Hein. Ouais, c'est un bon petit club familial, on va dire. Ouais. Tu sais quoi? On va voir ta première frappe avec la nouvelle tenue, nouveau ballon. On va juger, t'as qu'un essai, hein. y a pas de faux raccord. Hein. Mais juste dans le but. Tu nous surprends, surprends-nous. Efficacité, c'est les meilleures frappes celle-là. Bon la team, on arrive donc à la fin de cette vidéo. On t'a régalé frérot? Ouais, franchement ça m'a fait grand plaisir. Ouais, je m'attendais pas en plus. Je pense que là... J'ai eu bien là-bas. Ouais, je me sentais très bien. La team, encore un énorme merci à FootFR pour nous avoir permis de réaliser cette vidéo. N'oubliez pas de passer les voir dans leur tout nouveau magasin à Avignon et de les suivre sur tous leurs réseaux sociaux. Pour voir le niveau de Stanley, on va se faire quelques petits TikTok. Si vous voulez en voir plus, du coup, vous savez ce qu'il faut faire, le petit TikTok s'affiche juste ici. Et aussi, selon s'ils sont chauds, vous nous dites dans les commentaires, est-ce que vous voulez en voir beaucoup plus, est-ce que vous voulez voir ce que Stanley donne en match, ou peut-être une petite vidéo, un contre un, lui contre moi, à vous de nous dire dans les commentaires, et peut-être que cette vidéo verra le jour. T'es chaud pour qu'on vienne te voir? Ah, moi je suis chaud. Petite vidéo, après petite vidéo CB, skills, Stanley Mendez. Tu marques un petit but quand même si on vient? On verra, c'est le GC. Et la célébration, tu fais quoi? Un diable de V. Un diable, pas un aigle. Et un aigle, je mets un doublé, comme ça je fais les deux. Du coup voilà team, on vous fait un diable de V, et on vous dit à bientôt. Et tu sais qui devait venir avec nous à la base? T'as pas d'idée? Quelqu'un qu'on voit souvent dans les vidéos. Jojo? Ouais, Jojo, il a failli venir. T'as un message pour Choupinou? Bah, dommage qu'il soit pas venu et il fait des aigles.